Unité 4. Les inventions et les créations. Orthographe. Les homonymes. Pré, près, près. Page 116 et 117. Pour communiquer en français. Le directeur est prêt à vous accorder un rendez-vous. Notre maison se trouve près de la gare. Les moutons broutent l'herbe dans le pré. Le directeur est prêt à vous accorder un rendez-vous. Notre maison se trouve près de la gare. Les moutons broutent l'herbe dans le pré. J'observe et je découvre. 1. Je lis les trois phrases. Le directeur est prêt à vous accorder un rendez-vous. Notre maison se trouve près de la gare. Les moutons broutent l'herbe dans le pré. 2. Je relève les mots qui se prononcent de la même manière et qui s'écrivent différemment. 3. Ces mots ont-ils le même sens? 4. Comment appelle-t-on ces mots? 5. Je manipule et je réfléchis. 1. Par quoi le mot prêt est-il suivi? 3 est suivi de A. 2. Je réécris la première phrase en remplaçant le directeur par l'institutrice. 5. L'institutrice est prête à vous accorder un rendez-vous. 3. Par quoi le mot prêt est-il suivi? 3 est suivi de 2. 4. Par quoi le mot prêt est-il précédé?
pré est précédé par l'. Je retiens. Pré. Pré et pré sont des homonymes. Pré est un nom commun, il est précédé d'un déterminant. Exemple, je joue dans le pré. Il peut être remplacé par prairie. Pré est un adverbe employé généralement dans la locution près de. I signifie à côté de, je suis près de la maison. Pré est un adjectif employé dans la locution près à. Il peut être remplacé par en état de. Il peut être mis au féminin. Elle est prête à faire le tour du monde. Pré est un nom commun, il correspond à une chose ou à une somme empruntée. J'ai payé ma voiture grâce à un prêt bancaire. Je m'entraîne. 1. Je complète les phrases suivantes avec pré, prêt ou prêt. A. Je me rapproche progressivement, j'arrive tout de la ligne d'arrivée. B. Où égali est-il à partir? C. J'ai besoin de lunettes, je ne vois pas bien de. D. J'ai pris de belles photos dans le. E. Dans cette bibliothèque, la durée du des livres est de 10 jours. Je me rapproche progressivement, j'arrive tout près de la ligne d'arrivée. Où est Gali? Est-il prêt à partir? J'ai besoin de lunettes, je ne vois pas bien de près. J'ai pris de belles photos dans le pré. Dans cette bibliothèque, la durée du prêt des livres est de 10 jours. Un. Je mets au féminin les phrases suivantes. A. Il est prêt à jouer avec sa tablette. L. B. Les petits garçons sportifs jouent dans le pré. Les petites filles. C. Le champion du 100 mètres et habite tout près de chez moi. Mia. Elle est prête à jouer avec sa tablette. Les petites filles sportives jouent dans le pré. Mia, la championne du 100 mètres et habite tout près de chez moi. Je m'évalue. Je relis les mots suivants, pré, prêt, prêt, aux phrases qui leur conviennent. Pré, prêt, prêt. Je m'assois à côté de la fenêtre. L'élève est disposé à passer l'examen. Cette prairie est immense. Cette prairie est immense.
après. Je m'assois à côté de la fenêtre. Prêt. L'élève est disposé à passer l'examen. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.